Bienvenue dans le septième et dernier épisode de Reviewing Africa from What If to What Now, l'émission digitale en direct qui donne la parole aux experts et experts africains sur des questions d'actualité brûlante faisant la une des journaux à travers le continent. Cette semaine, nous parlerons de Nation Branding, The Power of Telling Your Own Story avec trois experts incontournables. Yes, welcome to Reviewing Africa for our seventh and final episode. With it being our final show, we will be here for a whole hour, but also in addition to our ongoing partnership with the Centre for Pan-African Thought, Britain's leading Pan-African think tank, this episode is also part of Africa Communications Week, a global platform that builds bridges between communications professionals focused on Africa's transformation taking place this week. So the focus of the show is on communications. We're going to be talking about nation branding, the power of telling your own story. Semaine exceptionnelle, sujet exceptionnel et invité exceptionnel. Pour parler de nation branding, aujourd'hui nous accueillons Mimi Kalinda, CEO et cofondatrice de Africa Communications Media Group, Nashipae Oromoa, qui est directrice des relations publiques et de la communication corporelle de l'African Wildlife Foundation. Et également, nous avons un homme, Raleigh Badu, Chief Communications Officer de l'Université Polytechnique Mohamed VI. Bonjour à tout le monde. Hi. Bonjour. Bonjour. Donc, dans une première partie en français, nous poserons les bases théoriques et conceptuelles de la notion de nation branding avec Mimi Kalinda à travers l'exemple du Maroc qui a fait un travail remarquable ces dernières années de nation branding avec Khalid Badou. Il nous présentera en fait un business case à travers deux exemples concrets, donc du secteur privé mais également du secteur public. Nos deux invités rejoindront ensuite Madame Nashipae Oromoa pour un panel en anglais animé par Ouzo. Donc, cette semaine, deux partenaires importants nous soutiennent, donc The Center of Pan-African Thought, évidemment. Et cette semaine, c'est également un peu la semaine de l'Afrique et nous avons la joie d'avoir pour partenaire Africa Communications Week, qui est le réseau international qui a pour ambition de fournir les outils et ressources nécessaires aux professionnels de la communication axés sur l'Afrique pour changer les récits actuels du continent et accompagner son développement. Yes, indeed. So the first half of the show will be in French, as always, with Marie. And she will be speaking one-on-one to Mimi Kalinda, CEO and co-founder of Africa Communications Media Group. And then to Khalid Badu, who is the Chief Communications Officer at Mohammed Polytechnic University. And the second half of the show will be in English with myself. And I will be bringing Nashipae Oromoa to join a wider panel discussion with all of our guests. Nashipae is the Director of Public Relations and Corporate Communications at the African Wildlife Foundation. And as always, right at the end of the show, we have some lighter content to share with you, but this time we created the content ourselves. Marie, over to you. Merci Ouzo. Vous le savez, nous sommes en live multi-stream sur plusieurs plateformes, LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, y compris celles de nos partenaires. Donc n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions en utilisant le hashtag Reviewing Africa. Cette semaine, nous parlerons avec passion de la puissance de la narration et de l'importance des marques pays à la fois pour les nations, mais également pour le continent. Et pour cet épisode spécial, nous avons réservé une minute Cosy 19 qui sera vraiment très drôle, donc restez avec nous, ce sera avec Ouzo. Mais pour le moment, donnons la parole à nos experts. On va commencer avec Mimi Kalinda. Bonjour Mimi. Bonjour Marie-Ali. Mimi, on va en fait dans cette première partie, l'idée ça va être vraiment d'apporter des éléments pas seulement théoriques, mais on verra également grâce à votre expérience et à votre expertise et de tous les clients que vous accompagnez, on aura l'occasion de rentrer un petit peu dans les détails. Et donc dans la seconde partie de l'émission, vous participerez donc à ce panel avec Ouzo, Khalid et Nashipae. Donc Mimi, que signifie pour vous le nation branding? Or, on peut parler également en français de marque nation ou marque pays. Donc en fait, quand vous pensez aux gens qui décident, nos leaders, nos dirigeants et tout ça,
et les gens qui en fait prennent les dernières décisions quand il s'agit de cet espace de croissance économique partout dans le monde, l'Afrique aussi. Donc la croissance économique pour le tourisme, l'augmentation du PIB, les investissements, donc tout ça, ça s'attire en attirant l'attention de ce que sur ce qu'une nation a à offrir au monde extérieur pour des raisons de croissance, de prospérité. Et la question ici est très simple. Si vous ne communiquez pas par rapport à ce que vous avez à offrir au monde, comment est-ce que les gens vont le savoir? Donc, les gens ne le savent que par la communication. Et c'est ça, en fait, que je comprends quand on dit country branding, country positioning. Ça veut dire, donc, offrir une image assez positive au reste du monde et aussi réaliste de ce qu'on a comme pays et demander au monde de, en fait, de venir investir chez vous pour une croissance économique. Donc, vous dirigez une agence de communication panafricaine et donc vous travaillez avec un large éventail de clients. Quelle a été jusqu'à présent votre expérience dans la réalisation un peu concrète de missions de Nation Branding et en particulier, quels sont les principaux facteurs de motivation des clients qui vous ont sollicité? Était-ce simplement pour le volet, par exemple, économique? Est-ce qu'il y avait, par exemple, d'autres sujets qui pouvaient les intéresser et quels étaient-ils? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la communication est essentielle, en particulier la communication stratégique et avec un cible clé. Donc, l'un des projets sur lesquels on a travaillé en tant qu'agence de communication ces dernières années était de faire la communication pour le bureau d'exécution stratégique en collaboration avec Dalberg et en travaillant avec le gouvernement de la Guinée-Conakry pour communiquer sur les opportunités dans le secteur agricole dans ce pays, en particulier les ananas et d'autres fruits exotiques, ainsi que les opportunités dans le secteur minier. Et le but de tout ça, c'était d'attirer les investisseurs vers la Guinée-Conakry. Donc, voilà, c'est ça notre expérience. Très bien, très clair. Avec la Guinée, il y a d'autres cas finalement et d'autres. Ces dernières années, on a vu de nombreuses campagnes finalement, que ce soit d'un point de vue digital avec cette gigantesque et incontournable finalement campagne qui a été lancée par Diano Dringaco, Visiter l'Afrique, jusqu'à très récemment The Year of Return qui a été portée de façon majestueuse par Bozoma Saint-John. Donc, on voit quand même qu'il y a une meilleure prise de conscience de l'importance de comment on communique finalement sur son pays, sur ses atouts, sur ses opportunités, et des opportunités à la fois d'affaires, mais également sociales et sociétales. Quelles sont les évolutions que vous avez pu constater ces dernières années et quels ont été, à votre avis, les facteurs clés de succès des campagnes qui ont réussi? Tout à fait, Marie-Alix. C'est sûr qu'on voit un changement un peu partout dans le monde. Je pense qu'on commence à prendre beaucoup plus conscience de l'importance de l'image d'une nation. Nous avons été exposés, comme tu as bien dit, à des dirigeants qui font un excellent travail de communication, notamment le président Kagame du Rwanda, le président Akufo-Addo du Ghana. J'ai adoré le Return campaign qu'ils ont fait. Donc, nous avons également appris par des exemples globaux tel que le président Obama, par exemple. Enfin, on peut tous être d'accord que les campagnes du président Obama ont été légendaires. Donc, il y a sûrement une évolution dans la compréhension du concept de l'image d'une nation et les avantages de communiquer, du branding, etc. Mais je pense que nous avons encore beaucoup, un très long chemin à parcourir et en termes d'exécution à une très grande échelle. Nous sommes... Déjà, le fait qu'on est en train d'avoir cette conversation, qu'on en parle déjà, ça me montre qu'on a déjà parcouru un assez grand chemin, mais je pense qu'on n'est pas encore là. Donc, il y a un sujet qui est très intéressant quand on parle d'Afrique, c'est que souvent on oublie ces diasporas. Donc, si on revient sur la fameuse campagne de l'année dernière, parce que les chiffres sont quand même, la campagne à elle seule aurait multiplié par 10 le nombre de visiteurs au Ghana. En décembre, il y avait plus de place dans les hôtels, nulle part. Donc, vraiment, ça veut dire que cette campagne a vraiment été réussie. Donc, la question ici concerne donc les diasporas.
Qu'en est-il de la mobilisation des diasporas en ce qui concerne le nation branding de leur pays d'origine? Tu sais, j'adore cette question parce que lorsque j'ai vécu en Europe et aux États-Unis pendant plusieurs années, j'étais, je pense, une plus forte défenseuse de l'image de l'Afrique quand je vivais aux États-Unis que je ne le suis maintenant. Donc, nous avons vraiment une réelle force dans la diaspora africaine que nous devons mobiliser pour encore raconter plus dynamiquement nos histoires africaines. Et par diaspora, je veux dire tout le monde. Donc, je veux dire les Africains qui ne vivent pas nécessairement sur le continent, les Afro-Américains, les Africains dans les Caraïbes. Nous sommes un nombreux et je pense que si nous réalisons que nous pouvons être plus liés et que par cela, nous pouvons raconter des histoires qui sont beaucoup plus dynamiques, qui sont beaucoup plus vraies de notre continent. Je pense que là, on pourrait voir, je pense que franchement, dans la diaspora réside une narration de notre histoire collective qui est très, très pertinente. Et donc, on a des ambassadeurs en dehors de l'Afrique. Et on doit vraiment créer des liens qui sont beaucoup plus forts pour qu'ils puissent eux aussi communiquer sur notre continent. Merci pour ta réponse. Enfin, je ne sais plus si on se tutoie là, on est en live, c'est compliqué. Hein. Que dirais-tu finalement aux personnes qui pourraient prétendre que le nation branding, ce n'est justement rien de plus qu'une opération de communication coûteuse. Coûteuse, alors on a vu ça notamment avec la campagne Visite Rwanda portée par Kagame. Donc coûteuse ou alors parfois éloignée de la réalité. Donc un peu comme si voilà, vous nous vendez du rêve, mais concrètement derrière ce n'est pas toujours ça. Quelles seraient les réponses que tu apporterais à ces deux questions? Tu sais, quand on regarde les news pour l'instant et tu regardes ce qui se passe dans les médias et qu'on voit les États-Unis, par exemple, on dirait que, enfin, si on connaissait pas mieux, on se dirait qu'aux États-Unis, il n'y a rien qui marche, en fait. Mm. Il y a George Floyd qu'on a assassiné il y a quelques jours. Il y a le président Trump dont, selon certaines personnes, dit des choses qui ne sont pas vraies, qui n'est pas nécessairement lié à ce qui se passe en termes de la réalité aux États-Unis. Donc, il y a le racisme, il y a les problèmes économiques. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aux États-Unis. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Il y a beaucoup de bonnes choses. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses dans n'importe quel contexte, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, il y a des défauts, il y a des qualités. Et je pense pour le branding, le but, parce que le branding, comme on le dit, même dans cette émission, c'est quelque chose qui contribue à la croissance économique. Donc, c'est quelque chose de positif. Donc, tout ce qu'il y a dans la réalité même, sans mentir, il faut trouver les bons côtés et donc communiquer ce qui est bien dans votre contexte. Merci infiniment pour ces insights. Donc, à tout de suite pour le panel avec Ouzo. Et donc, ça va être le moment d'aller aussi du côté du nord de l'Afrique et on va faire entrer Khalid. Khalid, vous m'entendez? Je vous entends, oui. Merci. Donc, même question que celle qui a été posée en premier à Mimi Kalinda. Que signifie pour vous le nation branding? Le nation branding, c'est l'ensemble des actions, des initiatives qui cristallisent le capital matériel et immatériel d'une nation et qui le met au service de sa promotion. Mais quand je dis promotion, dans le sens large de la chose, c'est pas uniquement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la promotion publicitaire d'une nation, mais plutôt c'est la promotion de diplomatique, économique, politique, sociale, culturelle d'une nation. Et qui fera qu'une nation, un pays particulier, soit reconnu pour un certain nombre de composantes de son identité et qui font la différence par rapport à d'autres pays. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le narratif commun qui doit être porté par tous les citoyens de ce pays. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un à l'étranger ou dans le pays même et vous lui dites « parlez-moi en une minute de votre pays », ben on va retrouver un peu le même narratif qui revient dans les histoires de ces citoyens et de la diaspora également, qui est une composante importante dans la promotion d'un pays. Donc voilà, pour moi, c'est ça un peu le nation branding.
Très souvent, on le lie à de la publicité ou au tourisme, par exemple, à la promotion d'un pays comme destination touristique. Mais une stratégie de donation branding est beaucoup plus large que ça. Et elle peut être même transformatrice pour l'histoire d'un pays, chose qu'on a vu dans un certain nombre de pays qui ont adopté une politique de donation branding et qui en fait, qui sont devenus, au bout de quelques années, au moins si ce n'est que sur le volet de leur image, des pays complètement différents. On va en parler en particulier du cas du Maroc. Donc, vous dirigez avec talent la communication de l'Université Mohamed VI, qui, je le rappelle ici, a été donc créée par le groupe OCP. Donc, l'Université Mohamed VI joue-t-elle un rôle dans l'image de marque du Maroc ? Écoutez, comme toutes les institutions, on parle du soft power. Et le soft power, ça vient de plusieurs composantes, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse du secteur économique, qu'il s'agisse du public et du privé, mais aussi des universités qui jouent un rôle très important. Parce qu'aujourd'hui, et dans l'histoire du Maroc, c'est connu que beaucoup de leaders de différents pays d'Afrique subsaharienne principalement ont fait leurs études dans des institutions marocaines. Ça a fait que cela a impacté même l'avenir des relations entre ces pays et le Maroc. Et donc, le rôle des universités est quand même important dans ce sens. Et nous, en tant qu'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est une université à vocation africaine, mais très prononcée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a adopté, qu'on a mis dans l'ADN de la communication, mais aussi dans les réalisations et les projets de notre université. On contribue en tant que le plus qu'on puisse, comme on peut, pour faire de la promotion du Maroc et de ce soft power marocain à travers l'éducation, à travers la recherche, à travers la formation exécutive, un élément, un facteur clé pour la promotion du pays. Je porte également la casquette de l'Association marocaine du marketing et de la communication qui a fait du sujet du nation branding un élément important dans ses projets de recherche, de manière à vulgariser, à promouvoir, à inciter les pouvoirs publics et les opérateurs privés sur l'importance d'avoir une stratégie transversale cohérente pour la promotion de l'image du Maroc. Et donc ça également, ça c'est aussi le rôle de la société civile qui permet de faire du nation branding. Déjà, de mettre le sujet du nation branding sur la table, parce que pas tous les leaders sont familiarisés ou familiers avec le sujet, d'une part, mais d'autre part, de pouvoir inciter, créer le débat, faire des recherches, sortir des chiffres, sortir des données qui permettent à ce que le nation branding devienne un sujet important pour le développement du pays. Très clair. On va faire un petit retour quand même parce que j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans les résultats tangibles que vous pouvez partager avec nous sur le rôle finalement la participation de l'Université Mohamed VI dans l'image de marque du Maroc. Quels peuvent être les exemples tangibles que vous pouvez partager avec nous ? Alors, comme j'ai dit, la vocation de l'université est d'être une université panafricaine qui encourage les échanges, qui encourage aussi la collaboration entre le Maroc et entre le monde universitaire du Maroc et ses voisins, ses amis, ses frères et sœurs de l'Afrique. Donc aujourd'hui, sur les 1400 étudiants que compte l'université, nous avons plus de 120, pratiquement 10% de l'effectif de l'université qui viennent de différents pays de l'Afrique subsaharienne et donc qui sont pratiquement tous des boursiers, qui ont des bourses à 100%. On en choisit les meilleurs pour les accueillir, pour les accompagner et pour travailler sur des projets, que ce soit au niveau de la formation ou au niveau de recherche. Nous sommes aussi, nous sommes engagés depuis, c'est une université qui est assez jeune, qui a été inaugurée par Sa Majesté Mohamed VI en 2017. Nous sommes engagés dès le départ sur des collaborations soit bilatérales ou multilatérales avec des partenaires un peu partout en Afrique. Donc, et pour cela, nous avons des collaborations, que ce soit avec l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, on a monté des projets ensemble et on a aussi développé des programmes de recherche avec des partenaires un peu partout en Afrique. On est également, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Rue Forum. C'est un réseau de plus de 110 universités un peu partout en Afrique qui ont la spécificité de travailler sur des sujets de recherche relatifs à l'agriculture et à comment faire de l'Afrique la future ferme du monde qui pourra nourrir du monde. Et bon, sans pour autant revenir sur le contexte actuel, mais aujourd'hui, l'Afrique est vouée à devenir le producteur principal de l'alimentation pour le monde, pour assurer la sécurité alimentaire, déjà pour les citoyens du continent, mais aussi pour le reste du monde. Vous savez que 60%, plus que 60% des terres arables non
cultivées ou non exploitées dans le monde sont en Afrique. Donc, imaginez tout le potentiel que cela représente. Imaginez si l'Afrique adopte de nouvelles méthodes de fertilisation, de développement de l'agriculture, comment on pourrait devenir, même si on n'a pas peut-être de pétrole un peu partout en Afrique, mais on pourrait devenir les fournisseurs de la nourriture qui est beaucoup plus primordiale que le pétrole. C'est ce qu'on a remarqué pendant la crise du Covid. Donc voilà, c'est une université qui a développé et déployé un réseau quand même assez important au vu de son jeune âge, au vu de ses ambitions et qui va continuer certainement à le faire et que ce soft power justement qu'on essaie de développer à travers l'éducation, à travers la formation, à travers la recherche, deviendra un élément majeur dans le branding de l'image du Maroc pour l'avenir. Donc, on le voit bien qu'avoir une université de ce calibre qui correspond et voire en certains points dépasse certains standards internationaux avec des partenariats, donc on n'en a pas parlé là, mais avec le MIT ou d'autres institutions et d'autres grandes écoles internationales, c'est pas seulement une vitrine pour le Maroc, mais cela rejaillit aussi sur tout le continent. Donc, très concrètement, pour mettre un peu plus de corps et de concret derrière cette question de l'accueil d'étudiants étrangers, justement, comment se passe l'intégration des étudiants subsahariens à l'Université Mohamed VI et comment ces étudiants contribuent-ils à faire aussi en fait rayonner l'image de l'université du Maroc, mais aussi du continent? Écoutez, c'est complètement ça l'objectif. Notre université se positionne comme un réceptacle d'accueil pour tous les talents africains. Et quand je dis africains, bien sûr, y compris le Maroc, y compris l'Afrique du Nord et tout le reste des 54 pays du continent. Donc, à travers ce melting pot, à travers cet espace, cette plateforme d'accueil et d'accompagnement et de développement, notre objectif est de créer déjà et d'insuffler un esprit commun de collaboration, de coexistence, quelles que soient les différences religieuses, quelles que soient les différences politiques, je dirais. Nous sommes dans un espace de formation, d'éducation, d'enseignement et de recherche qui favorise l'excellence et qui favorise principalement la promotion d'une Afrique forte et d'une Afrique solidaire. Donc aujourd'hui, on le sait tous, le maillon faible de l'Afrique aujourd'hui, c'est la recherche, c'est la science. On est dans les derniers classements quand il s'agit de la recherche scientifique. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un Marocain qui a été nommé par le président Trump comme le leader de la task force qui travaille pour trouver un vaccin pour le Covid-19, que c'est un Marocain qui est né au Maroc, c'est pas s'il fait partie de la diaspora, mais il est né au Maroc, il a fait toutes ses études primaire, secondaire jusqu'au bac ici au Maroc avant de partir en Belgique puis aux États-Unis, on ne peut qu'être fier de ce genre de modèle. Et nous à l'université, notre objectif c'est qu'on crée aussi des leaders qui vont porter, on part dans notre slogan, on parle de la création d'une nouvelle génération de leaders africains. Quand je parle de leaders, pas uniquement au niveau de la science, mais dans tous les domaines. Donc notre objectif c'est de créer un potentiel de talents, de futurs leaders qui ont les compétences nécessaires, qui sont ouverts sur le monde et qui ont les compétences nécessaires pour affronter cet avenir. Et donc aujourd'hui, on peut pas parler des étudiants de l'Afrique subsaharienne et des étudiants marocains parce qu'il y a que des étudiants, ce sont tous des étudiants de l'université qui sont traités tous de la même manière, qui bénéficient tous des mêmes avantages, qui ont aussi tous les mêmes obligations. Et donc aujourd'hui, et d'ailleurs la période du confinement obligatoire et l'état d'urgence sanitaire qui était décrété au Maroc, a imposé à certains de passer tout leur confinement au Maroc. Donc je pense que c'est quelque chose qui va leur marquer pour le restant de leur histoire. Donc il y a pratiquement une soixantaine d'étudiants qui sont restés confinés au campus à Benguerir. Et puis ils ne peuvent que, aujourd'hui, on les suit dans des groupes WhatsApp, on discute avec eux, etc. Ben, ils sont enchantés, c'est vrai que c'est loin de la famille, c'est vrai que les conditions sont différentes, mais aujourd'hui ils sont... c'est-à-dire ils sont bien accueillis, ils se sentent chez eux et ça fait partie aussi des choses qui vont les former, les forger pour leur avenir et qui vont en faire aussi de bons ambassadeurs pour pas que pour notre université mais aussi pour le Maroc et pour la solidarité africaine. Très bien, merci Khalid. En tant que fondateur de l'association marocaine du marketing et de la communication, vous avez fait de la promotion de la marque Maroc votre cheval de bataille. On l'évoquait tout à l'heure. Donc, c'est à ce titre que vous avez été membre permanent du groupe d'experts Think Made in Morocco, qui a été porté, je pense, par Maroc Export. Donc, ma première question, en général, quand on parle de campagne de marketing, on demande toujours à qui est-ce qu'on s'adresse. Donc, quelle est l'audience principale
quelle serait l'audience principale déjà de cette marque Maroc? De manière très simple, l'audience, c'est les Marocains en premier lieu et le monde entier dans un deuxième temps. Pourquoi les Marocains dans un premier lieu? Parce que si les Marocains ne sont pas convaincus, et ça c'est valable pour tout autre pays, s'ils ne sont pas convaincus par tout ce que promeut une stratégie de nation branding, il serait difficile de convaincre le reste du monde de cela. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé, on est dans un monde qui est complètement ouvert, on est dans un monde connecté. Et donc, on a beau vouloir faire rêver les touristes internationaux, les étrangers, de la beauté du pays d'un pays, de la beauté de son infrastructure, ses infrastructures touristiques, d'accueil, etc. Mais si les citoyens du pays même ne sont pas convaincus de cela et se trouvent que c'est trop exagéré, eh ben, ils seront les premiers à je dirais pas contre-attaquer, mais au moins à décrédibiliser cette communication qui se fait. Et donc, les premiers clients d'une stratégie de nation branding, ce sont les citoyens du pays lui-même. Et on a vu ça, on a vu l'exemple dans plusieurs structures qui ont été montées par certains pays, notamment en Afrique du Sud principalement. La stratégie était adressée dans un premier temps pour les locaux, et notamment en période de post-apartheid, quand il fallait créer une cohésion à l'intérieur du pays, entre les populations. On a commencé par créer justement ces éléments d'identité commune qui vont faire que quand on va communiquer vers le monde ou quand le monde va venir chez nous, ben, il va trouver qu'on est un peuple qui est convaincu de sa richesse, convaincu de sa diversité, convaincu aussi de ses challenges qu'il fasse. Et donc, et c'est pour ça que quand on a travaillé sur le think tank Think Made in Morocco, l'objectif principal, surtout que bon, on a parlé principalement sur le Made in Morocco, principalement sur les produits, sur le consommer local, consommer 100% marocain, on s'est dit que l'objectif principal, c'est de mobiliser les Marocains qui soient déjà convaincus en tant que producteurs sur l'importance de produire des produits de qualité, mais aussi en tant que consommateurs, qu'ils croient que le produit marocain est viable et qu'ils fassent sa promotion à l'échelle nationale et internationale. Et donc après, bien sûr, viendra la stratégie de déploiement à l'échelle internationale. Après, ça dépendra bien sûr des priorités, de la segmentation des marchés, qu'est-ce qu'on veut promouvoir. Et c'était la question qui suit. Voilà. C'est ça. Quels sont donc les secteurs finalement? Quels sont les secteurs? Alors, je ne sais pas si je vais aller jusqu'à parler de valeurs parce qu'on touche peut-être à des sujets sensibles, mais en tous les cas, quels sont les secteurs que la marque Maroc voudrait promouvoir en priorité? Encore une fois, quand on parle d'une stratégie nation branding, elle est transversale. Elle doit se retrouver dans l'ADN de toutes les stratégies sectorielles qui sont menées par le pays. Et parmi les difficultés, je dirais, qu'on a soulevées quand on a échangé avec les différents opérateurs, on s'est rendu compte que quand on monte une stratégie de tourisme, c'est le département du tourisme qui travaille dessus tout seul. Quand on monte une stratégie pour la promotion des produits agricoles, c'est le département d'agriculture qui travaille tout seul. Quand on travaille sur la promotion de l'industrie, c'est le département d'industrie. Et il n'y a pas de structure ou de fonction, de département qui s'assure qu'il y a un fil conducteur entre toutes ces composantes. Il y a aussi le volet diplomatique qui est un élément important dans la stratégie de nation branding. Donc c'est pas un travail mono département, mono secteur, c'est un travail qui doit être transversal, qui doit être cohérent, qui doit créer de la cohérence et de la convergence dans toutes les stratégies sectorielles pour mener vers le même objectif qui est la promotion d'un pays particulier. Pour répondre directement à votre question, il y avait les départements, ou plutôt les axes qui étaient prioritaires, c'était principalement l'industrie, donc la promotion du Maroc comme un territoire industriel qui favorise aussi la délocalisation d'un certain nombre de secteurs, notamment l'automobile, l'aéronautique, le textile, le pharmaceutique, etc. L'exportation des produits, notamment que ce soit les produits agricoles, les produits d'artisanat ou autres, pourquoi pas, parce qu'on est connu aussi par produire un certain nombre de produits, mais qui sont plutôt méconnus à l'échelle internationale pour des raisons historiques ou pour des raisons de manque de stratégie de promotion. Et sur le volet touristique, bien sûr, le tourisme aujourd'hui qui génère quelque chose comme 6% du PIB national, plus que 6%, je pense dans les 12%, l'artisanat c'est 6% et le cumul, je pense, c'est 12% avec le tourisme. Et ça fait que il fallait travailler sur une stratégie de promotion du Maroc
que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Donc ça, c'est un peu, si on veut dire, les priorités, les secteurs prioritaires, mais cela n'empêche qu'une stratégie nation branding doit exister un peu partout, même dans les secteurs les plus, même dans le sport, même dans la culture, bien sûr, même dans le, tous les autres, la santé aussi, c'est-à-dire si on veut être attractif, si on veut promouvoir notre pays comme un pays qui est safe, ça veut dire qui est là où on peut se prendre et une prise en charge au niveau de la santé, c'est valable aussi, ça touche aussi le tourisme, ça touche aussi d'autres secteurs. Donc, c'est tout un cumul. Mais comme on l'a dit, il y a des priorités à un certain temps. Et puis, il va falloir que tous les opérateurs, soit tous les opérateurs se mettent autour de la même table pour s'aligner sur la même stratégie, ce qui risque d'être un peu compliqué. Mais ce qui aurait été plus simple, et d'ailleurs, c'était une de nos conclusions, c'était de dire il faut qu'il y ait une structure qui soit transversale à un niveau, comment dirais-je, plutôt au niveau de la présidence du gouvernement ou sur d'autres institutions, et qui permet de créer cette synergie, cette synchronisation des stratégies promotionnelles entre les différentes composantes, que ce soit du public, mais aussi avec l'engagement du secteur privé, qui est un élément clé dans la promotion de la stratégie marque Maroc. Très clair. Donc, oui, bien sûr. Donc, convergence, cohérence, coordination. Je vois parfaitement. Donc, on a des questions de l'audience. J'aimerais bien qu'on puisse en prendre déjà au moins une. Alors, avez-vous prévu des campagnes de nation branding en interne, donc au Maroc, sur les peuples africains pour changer leur mindset? Nous demande cette personne, c'est quelqu'un qui nous vient de YouTube. Alors, bon, bien sûr, nous, en tant que, je parle de la casquette de l'association marocaine du marketing et de la communication, on est dans la société civile. Donc, c'est notre objectif, c'est pas d'actionner des campagnes, mais de sensibiliser, d'accompagner les autorités pour pouvoir travailler sur des stratégies. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une étude de perception, en fait, de l'image du Maroc en Afrique subsaharienne. En fait, en Afrique, dans toute l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord. Donc, on a eu 3 clusters. Le premier cluster, c'est l'Afrique du Nord. Deuxième cluster, c'est l'Afrique francophone. Et troisième cluster, c'est l'Afrique anglophone, parce que chacune représente des particularités, bien sûr. Et on a ciblé un certain nombre de pays, bien sûr, pour pouvoir avoir une lecture scientifiquement viable. Et on s'est rendu compte, effectivement, que la perception est différente. L'Afrique, le Maghreb ou l'Afrique du Nord connaît bien le Maroc, parce que pour les raisons de voisinage, pour les raisons de proximité culturelle, religieuse, etc. L'Afrique francophone, il y a beaucoup de liens historiques qui nous lient. Il y a une solidarité aussi entre le groupe de l'Afrique francophone, que ce soit dans les sphères politiques ou économiques ou à l'international. L'Afrique anglophone, il y avait moins de connaissances pour des raisons linguistiques principalement, parce que c'est vrai que une des défaillances, je dirais, de la promotion du Maroc, c'est que principalement, ça s'adresse au marché francophone. Et il y avait très peu de travail qui se faisait au niveau des marchés anglophones, d'où la méconnaissance de l'Afrique anglophone du Maroc. Donc, très peu des personnes qui connaissaient le Maroc, c'était parce que l'équipe a joué un match de foot à la finale de la Coupe d'Afrique, ou parce qu'ils ont joué un match amical, ou alors parce que quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a visité le Maroc. Mais bon, il y avait une perception qui est différente. Donc, notre recommandation, c'était de dire, si on veut communiquer vers l'Afrique, et ça avait coïncidé d'ailleurs par le retour du Maroc à l'Union africaine en 2016, c'était de dire que si le Maroc veut se repositionner au niveau de l'Afrique, bien sûr, et les grands chantiers lancés par Sa Majesté économique, politique, mais aussi un travail de communication et de branding qui doit se faire, parce que au risque de ne pas bien connaître le Maroc, on risque de prendre des positions qui ne sont pas forcément favorables au pays. Donc, autant anticiper et puis aller vers des pays confrères pour communiquer et créer cette proximité, que ça soit culturelle, identitaire, religieuse, etc., qui nous lie, parce qu'il y a toujours des fondamentaux qui lient le Maroc avec les différents pays d'Afrique. Merci Khalid. Il y a tellement de sujets à aborder, donc je vais vous proposer de poursuivre la conversation dans le panel qui sera animé par Ouzo. Parfait. Thank you, Marie. That nicely brings us to the panel discussion. Thank you for the conversations that you've just had, Marie, around the complexities of a whole of Africa brand, the role of the diaspora and people actually in the country, but also principally what nation branding really is in practice. So I want to start the panel discussion off with bringing in Nashapai. Hello, Nashapai. Hello, Uzo.
Nasha Pai, as the Director of Public Relations and Corporate Communications at the African Wildlife Foundation, I want to kick off this discussion by first of all asking you, you know, what nation branding actually means to you, because it's quite a new discipline in communications and there are lots of different definitions. So from your perspective, what does it actually mean? So for me, I feel looking at what has been done over the years, it's trying to build and maintain a sort of country's strategic advantage with the purpose of economic growth. So really positioning a country and trying to build the confidence of investors that your country is the right country to invest in and create that sort of correlation with your unique selling point as a country. So most countries in Africa have really tried to do that around one issue or several issues and consistently talking about that issue so that to build that sort of brand. And it's not different from any brand building for any corporate or any product. So it's just sort of consistent messaging on what is unique about you, what is good about you, with the aim of trying to create that confidence in the investors, potential investors. Brilliant, thank you. And on that point, in terms of, you know, definitions, Mimi Kalinda, I want to bring you in here. Group CEO and co-founder of Africa Communications Media Group. I just like to understand from your perspective, Nasha Pai has touched upon the economic value of nation branding. You know, we have definitions that talk about also cultural elements and political elements. From your perspective, Mimi, is it more of a political or economic activity, actually? I don't think that it's a purely political exercise. I mean, I think that definitely it does touch on politics. It's also a socioeconomic exercise, as we've seen, a cultural exercise, as Khalid alluded to earlier. I think that, you know, the concept of nation branding, you know, you can divide it into, you know, painting a beautiful picture of a continent or a country by telling compelling stories about it that will incentivize, you know, investment and all of the things that we've spoken about so far. But also, I think branding goes beyond that. It goes into public diplomacy, building relationships with stakeholders that could help advance the cause of a specific country or the agenda of that country towards a specific end. We're also talking about public affairs, which really, you know, centers more around advocacy and lobbying. So it's a large field, and it takes all of that to be able to move the needle from point A to point B as far as, you know, how a country is seen as a potential place to invest, live and work and do business in. So it's very broad. It's basically all encompassing. It's a very, very big job. I think at this moment, I want to bring in Khalid, who is the Chief Communications Officer at Mohammed Polytech University. And I actually want to ask you all the same question. It's a bit of a task, actually. The title of the discussion is Nation Branding, the Power of Telling Your Own Story. And throughout Africa Comms Week, the discussions have really touched upon the importance of African countries intentionally, you know, shaping and telling their own stories. But we know that with 54 or 55 countries on the continent, a story to cover the whole continent is really challenging. So as communications professionals, could you suggest some elements of Africa's unique brand story? Let's start the work ourselves here on this call and on reviewing Africa, and try and suggest some elements of Africa's unique brand story. I'd like to start with Khalid on this point. Yeah, thank you. I think we are living in a very unique moment. What's happening around us regarding the COVID-19 pandemic and all the what this is bringing to the world and to the African continent, I think it's a very unique moment, but there is also a huge opportunity in there to tell the narrative of the African continent in a different way. Our continent has showed resilience, has showed agility, has showed a strong way of solidarity to face the pandemic. And this is just
something that we would not have expected. I mean, everybody was expecting to have like a huge wave coming into the African continent, and that Africa will be the next China, and that the number of deaths will be just huge, and nobody can counter that. But until then, and then we are crossing fingers, I mean, nothing of that happened. And this head of state have showed solidarity. The people have shown solidarity also, and this is just great. I mean, on how the continent can be, you can stand in front of such problematics. And there is an opportunity for that. And I think we as Africans, maybe it's a matter of we have left for a long period, we have let the others tell our story on our behalf. We've never played the role of our own narrative, tellers or storytellers. We have a beautiful story to tell. We are diverse. Yes, there is poverty. Yes, there is unemployment. Yeah, there is huge health issues, for example. But still, we have a huge potential in the African continent that we can together tell the right way and tell in a very, very nice way. We have today, and we mentioned that earlier, a strong diaspora all around the world. We have today some the media influencers and some digital influencers also who can tell the continent story in a different way. We have our own particularities like any other, but maybe it's a matter of self-confidence, I don't know, but we always kept in mind that since independence of most of the African countries in the 50s or 60s, we are only a continent of problems and of issues, and nobody talks about us unless there is a war or unless there is a pandemic. And then somebody remembers, okay, what about Africa? Let's try to help them find a solution. I think what's happening in the African Union since 2 or 3 years now can be a kind of a new locomotive, or like a new way of inciting the populations to think together and to find a way to tell their story together. And I think this is our role as communicators. Of course, at a certain time, there is kind of political decision that needs to unify or to give at least an orientation towards having a unified narrative. But still, sometimes if we wait for politicians, we will wait for much longer than that. Maybe the initiative should come the other way around, should come from people, from the civil society, from the communicators, who can, through initiatives like this one, like the Africa Communications Week, can make or at least can trigger the thinking and can trigger the creation of a common narrative. And then if it's a positive one, I'm sure that everybody will adopt it. And so I've heard resilience, agility, solidarity, but also talking about the fact that, you know, there is this common outsider narrative, which is around war and around the issues rather than the challenge issues rather than the opportunities. And that leads me nicely to point to Nashapai, because obviously wildlife is actually quite a big brand for Africa. Could you come in on this discussion? What do you think are some of the unique kind of brand elements or stories that we can start to tell about the continent? You're right. Africa has about 80% of biodiversity in the world, and we have the most charismatic species in the continent. And if you look at some of the videos, the narratives that African countries are using, it's about wildlife and wildlands and the beauty of our country, the rivers, the beaches. And the sad thing about it is that the value of it we have not realized the value of it, and we're not telling the story of it from our perspective as Africans. We are the story of conservation and wildlife is being told by others in light of their advantage and what they can get out of it. But the minute countries realize that this is a very valuable asset, the soils that we have is going to make us the food basket for the world in the coming years. But we need to realize that this is valuable to us and put assets to really build that and make sure that it's so valuable such that when we sit at the table negotiating on issues in terms of economic empowerment, we are putting it at the forefront. We are saying this is what we have and bring what you have at the table. So that is how we'll be able to gain our respect as a continent and be able to really push the issues that are important to us. Conservation is not a beautiful story all the time. It has issues, it has conflict, but the minute we run away as storytellers from telling the story from our perspective, from communities on the ground,
we've lived with this species forever. We've been able to live harmoniously together. So we should be able to give that story from that perspective and be able to build that confidence that we have something valuable to bring to the table. And that is how we start gaining that respect and gaining that advantage over other continents. So I think it's really important for us to tell our story and not be afraid of how it's going to be perceived by others, but tell it in our reality and in our truth. And that is how you're able to connect with our audiences across. Yeah. So wildlife and in our own reality and in our truth, and I guess, you know, being brave as well, as you said, you know, it's about that. About taking that confidence and being brave about what you want to say. And then Mimi, can I get you to chime in on this conversation in terms of what you see as some of the elements of Africa's unique brand story? I think what I'll do is push back maybe a little bit, Uzo, because, you know, I think we love to talk about, you know, and we are guilty of it too as communicators, talking about Africa as one continent. And I think that it would be great to find the similarities that we can communicate about, but also challenge ourselves and say, why do we need to find the similarities? Because is there beauty in difference as well? So for example, you know, I've really loved the way that Nigeria has been able to position itself over the last couple of years through music, culture, you know, books, you know, and films also, and really built a uniquely Nigeria brand. And that in itself has value. When you look at Rwanda, for example, and the story of rising from ashes to where the country is now, that's a uniquely Rwandan story that has value in and of itself. When you look at Ghana, for example, and you know, the story of the year of return, etc., and really positioning the historical aspect of Ghana and its link to the diaspora across the world, you know, through slavery and our history as Africans, you know, that in itself has its value as well. So I think as we kind of struggle to try and find these similarities that we can kind of bunch together and put Africa in one pot and say, here we are, look at us, you know, and kind of push for brand Africa, we're missing the very unique nuances and dynamics of our various countries and what they have to offer too. So I think as communicators, we have to do that job of kind of stepping away from almost this place of complacency, I would say, and almost strategic, you know, laziness, not in a bad way. And I'm putting myself in the same pot as well. I'm not pointing the finger by any means, but just to challenge us to say, can we look at each country and say, what's the unique value proposition? So, you know, when we talk about brand Africa, what can we say about Mali in particular? What can we say about Senegal that makes it different from Niger? You know, what can we say about Tanzania, even neighbors, that makes it different from Kenya? You know, and I think once we start doing that more difficult work and that more strategic work of delving differences, you know, we can sell those differences. We can position those differences in a way that's really beautiful, while at the same time not forgetting the similarities. Yeah, and that's a really pertinent point. And I think that's why, you know, bringing the question was so important, because we have to recognize that we are extremely different and we have so many different cultural, economic, and political systems on the continent. And to, I guess, you know, carte blanche or broadly find those similarities and try and bunch them together can be problematic and might not always be the best thing to do. I want to focus now a bit more on COVID-19 and the kind of international audience. If we look at the current narrative around COVID-19 as it relates to many African countries, it has been complex. It's also been one of innovation, like you've said, Khalid. It's been one about solidarity and resilience. But we do see that there is this kind of response to this international criticism. So it's not necessary that we're kind of putting ourselves out there and starting from scratch. It's more of a defense or a response. And I suppose I want to ask, first of all, Khalid,
you know, we're bowing to an international audience, but how important is the local population as a stakeholder or as a target audience when we think about nation branding? Yeah, I think one of the first clients of any strategy of nation branding is the local population, for a simple reason is that if your local people are not convinced with what you are telling, this with the story you are telling to the world, they will be the first one to make it not credible, at least in social media, and at least when you communicate around it in social media, I mean, or when you communicate in public media in general. So your first clients are your home citizens who need to first, believe in your strategy. Second, adopt your strategy. And three, help you promote your strategy. You know, in social media, it's you know, like everywhere, when a journalist speaks bad about his country for a good or bad reason, he's more credible than when any foreigner talks about the same country. So we need to consider that locals of any country needs to be really embarked in a story, in any nation branding story that could be through civil societies, through political parties, through individuals also, through professional organizations. But still, citizens need to be part of the story. We have an example, for example, here in Morocco that's quite famous regarding it was actually a city branding. It was one of our cities that embarked into a city branding strategy. And it took like 1 year to talk to consultancy and work with cabinets and do some beautiful PowerPoint presentation and some good graphics, etc. And when the day when that was presented, everybody was kind of making fun of it almost, because nobody was believing that this is what their real city is about. In social media, people were criticizing, etc. It was like a born dead branding strategy, because it was made, it was built, it was conceptualized the wrong way without involving the people who are supposed to make this story or to tell this story to the others. Going back to the COVID-19 context, as I said earlier, it's an opportunity. People are now more and more believing on the capabilities of their communities, of their society, of their country, especially the ones who showed resilience, especially the ones who just confronted the pandemic with local resources, because everybody was counting on its own resources. Nobody was expecting somebody to come from abroad, at least for this time. So all the countries have managed to generate to generate from local resources what can be made to counter the pandemic. Some were lucky, like Morocco, for example. We had the opportunity to have the production of one of the medicines that's used to reduce the effect of the COVID-19 that was produced here in Morocco. So it was an opportunity. We had also transformed some of our textile factories that were closed for a long period because of international competition. We managed to reopen them and to orient them to fabricate the masks. So we were one of the first countries to have self-sufficiency in creating, you know, the mask and allowing people. I think we're producing something like 8 million masks a day. And now we are starting exporting them to our friends in some African countries, but also to some of the European countries who are buying the masks from Morocco today. So we realized just from one day to the other that we have the capabilities to be self-sufficient, and not even self-sufficient to make the others who have problems, who are supposed to be the most developed and strong countries, etc., to make them benefit or to help them in countering the pandemic, which is just fantastic. So, and we talked earlier about the Moroccan, who's the lead of the task force nominated by President Trump to lead the scientific team looking for the research on the vaccine of COVID-19. He's a Moroccan guy. He did his studies in Morocco, and he went to Belgium and then to the U.S. So we just realized that we have a very nice story. So let's just tell it now. All the ingredients are there.
Definitely. That's really, really interesting. And I can say that you're actually doing a great job of telling or informing me about all the great things that Morocco have been doing. So so that's really, really insightful. I want to go back to Nashapai about this brand of wildlife, because it's such, I would say it's got such equity actually for the African continent, even though it's written by outsiders. I'd like to know more pragmatically how you work on, you know, one, kind of shifting the narrative, and two, including, you know, local people who own wildlife, who are around it, who are, you know, actually the true owners of these things. How do you include them and incorporate those people and those stories into the narrative? And our leaders as well, where do they fit into this? Because the story is already being told. How do we then go about shaping it using local people and local stories? So I'll just do a rejoinder from what Khalid has said. And I think this is the time that Africa has really demonstrated that we could be self-sufficient. We did not sit back in this crisis and wait for somebody to come and help us. This is the first time that we're seeing a lot of cross collaboration with sectors. They were not talking to each other, but they're talking to each other now. They are collaborating better. They are working better together. And from a conservation perspective, it's very interesting. We work in several countries in Africa. We are basically just work in African countries. And one of the things that had happened is that foreigners left. So in most places, we are the only organization that has been left on the ground, working with communities, taking care of communities, trying to find stimulus packages to help them get over this. There's always an over-reliance on external tourism, and we've never really thought that one day that stream would be cut off. But right now we are able to start thinking of building more resilient models around tourism and putting the power back into the communities, because they own these resources, they live next to these resources. So capacity building has been something that needs to be done. And now we understand it needs to be done at a larger scale to be able to empower them to take care of these resources themselves. So making sure that our programs are sustainable, the programs that are scalable, the programs that are can withstand any pandemic like this. So for the first time, we are really thinking about our models and shifting our models. And the fact that we are there with the communities, working with them and seeing what their issues are, it's giving us a lot of insights on what needs to be done and what needs to be changed. And we're also seeing a lot of governments are starting to appreciate the value of this and putting stimulus packages. Like Kenya, for the first time, put I think about $55 million into the tourism sector and about $3 million into conservancies, which conservancies are basically money into communities who own the land where wildlife sits. Because about 45% of wildlife are outside the protected areas. So they're in community lands, they're in they are taking space that would have otherwise been used for something else. But for us not to lose the gains that we've done over the years, we need to be able to ensure that there's still money in the pockets of community members by making sure that we're taking care of them now. And from a storytelling perspective, it's become very apparent that somewhat like Khalid, we need to be able to tell that Morocco story, document it, and be able to tell it over the years, because institution memory is something that it needs to be passed on for us to be able to, if we don't know where we've come from, we don't know where we're going. So I think it's important for us to really invest in storytelling on this pandemic as Africans, of how we have been able to overcome it and continue to overcome it, so that we're able to tell that story and be able to pass it along to the other communicators who are coming. And this will enable them to provide solutions, get solutions for the problems that they might be facing in the future. Yeah. So I think storytelling is an investment that needs to be done now for us to be able to have this information and use it, package it in a way that we could use it in the future. Definitely. And what's so interesting is that for many of our cultures, I speak from a Nigerian perspective, is that storytelling is so central actually to the way that we communicate, the way that we're brought up, and telling historical stories was a really big part of my upbringing, at least. So it's in us, right? It's just how we communicate it. And
My very last question, because we're running right out of time, I'm going to direct it to Mimi on this issue of storytelling, really. You know, nation branding requires so many different audiences that you have to speak to, a lot more complex than maybe your usual branding projects, because you're not speaking just to a customer. You're speaking probably to, you know, political officials, leaders of industry, and you name it. So there's lots and lots of layers. In your experience, what do you find to be the most useful channel for getting those stories out into, I say public realm, but to the target audiences that need to be communicated to? Yeah, I mean, I think I'll also just have to agree with what Nashikai said around storytelling. I think the one aspect is storytelling, and the other aspect is archiving our stories and being able to record our stories. And it would be really important in this time of COVID-19 that as communicators, we don't miss that opportunity, that we show up and are able to tell our stories from our perspective, the stories of Africans who are innovating on different healthcare models, et cetera, et cetera. There's so much happening on our continent that's positive. As far as channels are concerned, I think, you know, just with, like with any branding exercise, you know, from one-on-one interaction, you know, when you're talking to your own populations, we all know the proliferation of radio on the continent as being, you know, much more than, for example, print. So using radio to communicate internally. And then, of course, social media. I mean, social media has, you know, just changed all of our lives, I think. And it's a great medium to communicate. But it's about how you use those mediums to be able to tell your story and also put yourself in a position where you can archive those stories, document those stories, so that once we've passed this moment, we can look back and look at an authentic story that's been told about Africa by Africans themselves. And that's the goal. Brilliant. Thank you so much. We did have a question around the kind of new dimension of nation branding around COVID-19, but I feel that we have discussed that. And so you have you've pointed to really important points around resilience, around solidarity, around, you know, coming up with our own solutions and really trusting our communities in response to COVID-19 and building that trust that we can tackle it. So we have answered that question, I think, in this discussion. But as we are out of time, I need to say a very huge thank you to all of you as three communications experts, Khalid, Nashapai, and Mimi, for joining at the last episode of Reviewing Africa as part of Africa Communications Week. Thank you so much. You've done a great job. Thank you. Bye. Merci, Marie. Au revoir. Bye. Au revoir, Mimi. Au revoir. Merci tout le monde. Passionnants échanges avec nos trois experts et c'était vraiment une grande joie de les avoir. Yes, indeed. Thank you for the introduction, Marie. The final light piece of content we want to share this week are some of the outtakes from the show and rehearsals. So bear with me one moment while I share my screen and you can take a look. Et de rire. We can hear the song. Oh. Wait for it. Yes, but you can hear the song. It's, I mean, I added the sounds of crickets, you know, just to emphasize the fact that I wasn't coming back. Yeah, thank you for this cozy 19, cozy 19 actually minutes, Uzo. Well, that's a live show for you. You know, that's what happens. So we're really grateful for being able to have this opportunity to do this show.
Anne-Marie, I'll let you say your closing remarks. Actually, we share this part of, you know, from this moment, like, nothing's perfect because that's life. And that's also life, actually. So I was just thinking about it just now, like when I texted you that morning and I pitched this show, I couldn't imagine how well things would be. And I just had at the time this quote by Chinua Achebe in mind, you know, when he said, and actually he said he, but since I'm a feminist, I would say she. She needed to hear Africa speak for itself after a lifetime of hearing Africa spoken about by others. And that's what I had in mind at that time. And girl, it's been an amazing pleasure working with you. And together, I really hope that we kept our promise to our audience and to tell our African stories in a way that would showcase and celebrate African experts and to create this unique platform for them. So maybe reviewing Africa is over for today, but I'm so sure that we're just getting started and I cannot wait for what comes next. Definitely. I absolutely agree with you. And, you know, I have to say a huge thank you to the audience. You know, we really hope, as Maria said, that these discussions have provided insights from kind of uncharted territories. It's really been a pleasure co-hosting with Marie on Reviewing Africa over the past 7 weeks. And, you know, it's difficult doing the show live and the fact that it is bilingual, but the purpose of it being bilingual and having a, you know, a French part and an English part is to show that, you know, we do speak different languages across the continent, but we need to come together and try and unite and understand one another. Obviously, there's many more languages that we have left out, but that seems very, very complicated to embark on. And just to say that, you know, we've decided to join forces on this project to give some visibility to African experts and support their contribution to African current affairs debate. So we hope that we've done that. On the very same note, I want to take the opportunity to plug my new venture, Experts on Africa, which is it's basically building an online database of African experts to bring them closer to international conversations. And it actually launches from the 1st of June. So if you're interested, if you're an expert on Africa, on different sectors, follow at Experts on Africa on Twitter, or find us on LinkedIn. And I'll also add details to the YouTube bio of the show. Marie. Oui, et ce sera donc tout pour aujourd'hui, pour cette semaine et après ces 7 semaines passées ensemble. C'est l'heure de se quitter, donc je suis remplie d'une grande émotion et d'une profonde gratitude. Donc Reviewing Africa a été pensé pour être votre émission digitale bilingue en français et en anglais, en édition limitée, donc avec pour ambition d'apporter les perspectives africaines aux discussions mondiales et de fournir une plateforme aux expertes et experts africains en ces temps en fait difficiles avec cette pandémie, ce Covid, où en fait plus que jamais nous avions le sentiment que il fallait en fait ouvrir le débat et favoriser des solutions africaines pour aujourd'hui et demain. Donc tous les jeudis pendant 7 semaines, vous avez été de plus en plus nombreux à nous accorder votre ressource la plus précieuse, votre temps. Un grand merci pour cela et évidemment un grand merci à tous nos experts. On va pas citer les noms ici, mais un grand merci à tous ceux qui ont cru en nous et en particulier à notre partenaire de Center of Pan-African Thought. Et pour cette édition, c'était aussi en partenariat donc avec Africa Communication Week. Donc un grand merci à tout le monde. Exactly. Huge thank you to the Center of Pan-African Thought, Britain's leading Pan-African think tank, for their enthusiasm, behind the scenes work and continued support. They've helped us reach a much wider audience with our content. And also, of course, thank you to Africa Comms Week. We've really appreciated being able to host the show as part of this famous week. Thank you again for following the Reviewing Africa series. And thank you to all of our incredible experts that have made it possible. And always at this difficult time, please take care and keep safe. And unfortunately, we won't be back, but we'll hopefully be in contact or sharing as a community very soon. Thank you very much.